c'est Monsieur le V12. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo comparative casque de gamer. Certains vont se dire, c'est pas trop tôt, et je peux les comprendre. Je suis vraiment désolé. C'est vrai que je vous livre ce projet avec énormément de retard. Mais bon, vous devez savoir que j'ai une vie personnelle, j'ai une vie professionnelle. Et en plus, en ce moment, j'ai un très gros volume d'entraînement afin de pouvoir ouvrir très prochainement ma chaîne secondaire. D'ailleurs, ça devrait intervenir d'ici la semaine prochaine, je pense. Donc, c'est vrai que j'avais très très peu de temps à consacrer à ce projet qui m'a demandé énormément de temps. Le montage a été particulièrement compliqué. Donc, en tout cas, je vous remercie de votre compréhension et on va débuter dès maintenant. Alors, pourquoi avoir fait une vidéo comparative sur les casques de gamer? Déjà, pourquoi les casques de gamer? Bah, tout simplement, moi je trouve qu'il y a trois grands intérêts à utiliser un casque. On va dire que le premier serait justement de lorsqu'on est dans un jeu, d'être vachement immergé dans ce jeu avec justement le son qui est directement dans vos oreilles. Vous avez tendance à pas entendre les autres bruits, les bruits de l'extérieur, et du coup vous êtes à fond dedans et ça vous procure un plaisir beaucoup plus important à jouer. Vous êtes à fond dans votre jeu et c'est vraiment super agréable plutôt qu'avoir les enceintes du jeu et peut-être avoir des bruits parasites à droite et à gauche. Donc ça, pour moi, c'est l'un des grands intérêts d'avoir justement un casque. Le deuxième intérêt, c'est justement, certains vont me dire « Ouais, mais moi j'ai un home cinéma et franchement, je suis en immersion totale. » Ouais, t'es en immersion totale, mec. Mais par contre, tu fais chier tes voisins, ta femme s'y adore, ton bébé s'y dort. Donc voilà, on dérange en fait. Avec un home cinéma, c'est clair qu'on a un son magnifique. Mais on dérange. Donc ça, c'est le deuxième intérêt que je trouve d'avoir justement un casque. On ne dérange personne. Et le troisième intérêt, et peut-être le plus important pour nous, joueurs de FPS, en tout cas, moi, je parle pour moi, parce que c'est vrai que moi, je joue uniquement au FPS et plus particulièrement au Call of Duty. Donc, vous le savez tous, hein, ça, c'est ma chaîne est vraiment dédiée justement au Call of Duty. Donc, le troisième vraiment grand intérêt, c'est d'entendre des bruits que vous n'auriez jamais entendus avec les enceintes de votre télé. Par exemple, quelqu'un qui est en train de courir, s'il n'a pas ninja, s'il a marathon, il court juste derrière vous, vous êtes certain de l'avoir entendu avant même qu'il se retrouve vraiment au corps à corps. Donc s'il veut vous mettre un petit coup de couteau, je peux vous garantir que parfois ça sauve la vie. Si cette personne-là a ninja, donc normalement vous ne l'entendez pas, mais je peux vous garantir que si elle recharge pas loin de vous, vous pouvez exactement la situer. Il y a plein de petits bruits comme ça qu'on entend, même quelqu'un qui tire au silencieux. Si vous avez un très bon casque, vous pouvez exactement le situer. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir un bon casque, surtout un 5.1 qui permet vraiment d'entendre encore mieux les bruits. D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, toutes les personnes qui font de la compétition, ils sont tous équipés d'un casque. Et tous équipés d'un casque extrêmement performant, soit du 5.1, voire du 7.1. Donc voilà, si vous êtes un minimum compétitif sur le multi, je ne peux que vous conseiller d'acheter justement un casque parce que ça vous permettra vraiment d'entendre beaucoup plus de choses qui vous permettront d'être, on va dire, plus fort, plus réactif. Alors, pour ce comparatif, j'ai décidé de m'intéresser à trois casques. Il fallait bien que je choisisse. Je n'allais pas comparer tous les casques disponibles. Donc, j'ai décidé de m'intéresser au Sharkoon X-Tactic Digital. Donc voilà, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc le Sharkoon, il se présente comme ça. Donc avec le petit micro. Ensuite, j'ai décidé de comparer le fameux AX Pro. Donc sa réputation n'est plus à faire à celui-ci. Il est vraiment très connu par la communauté. Ensuite, un casque un peu moins connu. Donc celui-ci, c'est le Turtle Beach et pas Turtle Beach. Bon, je m'excuse, elle est vraiment pourrie cette blague. Turtle Beach PX5. Donc voilà, il est vraiment assez joli, je trouve, celui-ci par contre. Donc avec le petit micro, voilà. Alors, si j'ai décidé de m'intéresser à ces trois casques-là, c'est tout simplement parce qu'ils se situent dans une gamme de prix bien différente. Donc ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc il y a, on va dire, au niveau des 5.1, on a l'entrée de gamme avec le X-Tactic Digital et le, on va dire,
le haut de gamme avec le PX5, sachant que le AX Pro se retrouve lui justement en milieu de gamme. Donc tout ce qui est prix, tout ça, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc pour ce comparatif, j'ai décidé d'inviter deux personnes que j'apprécie énormément. Donc la première, c'est une personne que vous connaissez sûrement parce qu'il participe justement à la French Gaming. Donc ce n'est pas Benoît, ce n'est pas Théo, ce n'est pas non plus Boulebiche, c'est Titou76. Donc salut à toi Titou76, merci de ta participation. Salut tout le monde, c'est Titou76 et aujourd'hui je suis là pour participer à la vidéo comparative de Monsieur le V12. Donc merci à toi Titou de participer justement à cette vidéo. Donc toi tu es propriétaire justement de l'Istatic. Propriétaire, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça en parlant d'un casque, mais bon. Tu possèdes le X-Static, donc tu vas nous parler plus particulièrement de ce casque-là. Pour nous parler maintenant de l'AX Pro, la personne que j'ai décidé d'inviter, c'est une personne que vous connaissez à peu près tous, parce qu'elle intervient très régulièrement dans mes vidéos, c'est tout simplement Clems Browning. Donc salut à toi Clems Browning. Eh bien salut à tous, c'est Clems Browning, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis présent dans la vidéo de Monsieur le V12 pour vous présenter le Triton AX Pro, donc c'est celui-ci. Voilà, je vous montre tout de suite. Voilà, c'est ce casque-là. Donc moi, je suis objectif player dans la team. Donc ça va faire, un an que je me consacre vraiment à l'objectif. Et c'est vrai que c'est important de jouer avec un casque. Au début, je pensais pas que ça allait m'apporter grand-chose. Et maintenant que j'ai l'habitude de jouer avec, je me dis que c'est vraiment quasiment indispensable pour... C'est vrai que pour bien jouer, c'est quand même indispensable. Donc on va revenir un petit peu en détail sur ce casque de jeu. Alors, les différents éléments que nous allons étudier sont... le design, le confort, la qualité de son, qui est vraiment très important lorsque l'on parle justement d'un casque, la qualité du micro, donc ça aussi c'est assez important lorsque l'on veut communiquer avec ses partenaires, mais aussi si on est un youtubeur et qu'on veut pouvoir faire des commentaires justement avec notre casque, donc c'est très intéressant d'avoir un micro de bonne qualité, la connexion, donc toutes les possibilités qu'offre les différents casques que l'on va étudier, la fiabilité, donc très important aussi lorsque l'on investit un minimum d'argent dans des casques qui valent minimum 100 €, on espère que ces casques sont justement fiables, un minimum, et le prix justement. Pour ce qui est du design du Sharkoon, moi je le trouve vraiment très bien fait, il a un petit côté arrondi comme je les aime, il n'est ni trop petit ni trop grand, mais ce qui donne vraiment son charme au casque, c'est vraiment les deux écritures en luminosité sur les côtés des écouteurs. Ça donne vraiment un petit charme au casque et ça lui fait tout son design. Pour ce qui est du micro, ils ne se sont pas vraiment pris la tête dessus, ils ont plus mis un micro simple qui se clipe au casque. Il n'a pas vraiment de design personnalisé ou quoi d'autre, mais vraiment pour ce qui est du casque, ils ont vraiment fait un beau design et vraiment le côté lumineux donne vraiment beaucoup de charme au casque. Alors Titou nous a donné son avis et son point de vue par rapport à l'X-Static. Donc moi, pour avoir les autres casques à disposition, c'est vrai que je trouve pas l'X-Static super joli. Comme l'a dit Titou, c'est vrai que le fait que les diodes là sur le côté, je sais pas si on va bien les voir. On voit ici, vous avez, voilà, ici. Voilà, c'est mieux comme ça. On voit le petit X-Static, c'est vrai que le fait que ça s'allume quand il est sous tension, ça apporte un petit charme, mais je le trouve pas spécialement super joli. On va dire que ça me donne une impression de bas de gamme en fait. Bizarrement, je pense qu'on va à n'importe quel supermarché du coin, on prend un casque pour écouter la télé, ça me donne l'impression d'être un casque tout basique. Donc au niveau du design, je suis pas spécialement fan de l'X-Static. Bah alors maintenant, Clems, toi, qu'est-ce que tu penses justement du Triton, du Triton AX Pro? Donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas bien observé tout à l'heure, donc c'est celui-ci. Donc toi, t'en penses quoi, Clems, du Triton? Alors ensuite, on va parler un petit peu du design de ce casque de jeu. Donc je vais vous le montrer une nouvelle fois. Donc regardez un petit peu, vous allez pouvoir juger un petit peu comment il est. Donc voilà, ici, avant de le mettre dans le bon sens, ça ira mieux. Avec un petit rappel du Triton, les logos. Sauf que les logos ici, la nuit, sont éclairés. Il y a des petites LED orange dedans, donc c'est assez sympathique. Sur le micro, il y a le rappel Triton. Donc des belles couleurs, vous voyez, gris. Même que ce soit sur le boîtier, il y a encore le rappel du logo Triton. Les couleurs sont assez sympathiques. Ils tiennent bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci.
C'est marqué un petit peu partout, il est assez sympathique. Et moi personnellement je fais du baltrap, donc c'est du tir au fusil. Et ce casque me rappelle énormément celui que j'utilise. Donc c'est en fait un casque anti-bruit. Et il ressemble énormément à ce casque-là. Et je trouve que ça, voilà, c'est une petite touche assez sympathique, j'aime bien. Il est sympa, ça passe bien dans un intérieur assez design avec une belle télé. Parce que les consoles, il faut dire, elles sont quand même assez belles aussi. C'est vrai que ce casque de jeu-là, il passe vraiment bien partout, hein. Il est assez sympa. Ok mec, ouais, bah moi je suis pas mal d'accord avec toi. Le Triton il me donne quand même une impression de plus grande qualité. Moi quand je l'ai dans les mains là, en plus il a un petit aspect, on va dire un peu sport, un peu tuning, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais moi en tout cas le Triton, je suis vraiment fan de son design. Il est sobre et classe en même temps. Donc ouais c'est vrai que c'est quelque chose que, bah, que j'apprécie beaucoup. C'est pas on en voit ça il en jette pas énormément, c'est vrai que quand on le regarde on fait pas waouh, mais justement il est sobre tout en étant classe, et ça c'est quelque chose que moi j'adore. Et après comme tu l'as fait remarquer Clem, c'est avec son petit micro qui a un design aussi particulier, vous pouvez pas le voir là au niveau de la caméra, mais il est très profilé, c'est vrai que ça apporte un petit plus, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal ce casque-là. Au niveau du design, j'aime beaucoup le Triton, moi. Alors, maintenant, pour parler du Turtle Beach. Alors, le Turtle Beach, il a des écouteurs assez petits, je trouve. Quand on compare les écouteurs des autres casques, quand on regarde le Triton et le Turtle Beach, même avec l'X-Tatic. Donc, on voit que le Turtle Beach, il a des tout petits écouteurs, mais je peux vous garantir qu'il a vraiment. Moi, il me paraît vraiment solide. En plus. Chose qui est, on va dire, un petit gadget, mais qui permet de le ranger assez facilement. En fait, vous avez vu que les écouteurs pivotent sur eux-mêmes. Donc, c'est vrai que ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais quand vous le posez justement, disons pas au sol, mais quand vous le posez à plat, bah, il permet de vraiment rester stable, pas de danger qui tombe ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un petit tout petit gadget, le fait que ça pivote, mais c'est. Vraiment, en tout cas, moi, il me donne vraiment une impression de solidité. Et puis, bah, vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, il y a des petits rappels carbone et tout qui est vraiment super classe, je trouve. Et le petit détail du sigle Turtle Beach, du logo Turtle Beach dans l'écouteur, je trouve ça vraiment super joli. Ils ont vraiment fait un très gros effort au niveau du design. Et puis, avec les petits cercles rouges qui lui donne bah, une petite aspect, disons, comment vous expliquer ça? Ça relève un peu le niveau tout noir. Là, quand on voit sur l'X-Tatic, il est tout noir. S'il n'y avait pas le haut pour nous donner une petite couleur verte, sinon il est tout noir, tout basique. Alors que sur le Turtle Beach, on voit deux petits rappels de. Rouge, c'est vrai que c'est que dalle, hein. C'est pas ça qui fait la différence, mais ça donne quand même une petite impression de beauté que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc pour ce qui est du design, le match est remporté selon moi par le Triton. Donc le Triton que je trouve beaucoup plus sobre et beaucoup plus classe. C'est vrai que cette petite couleur grise avec du gris et noir, ça rend vraiment tout de suite le casque beaucoup plus joli. Donc moi personnellement, mon favori serait justement au niveau du design, l'AX Pro. Donc voilà, le match est gagné par l'AX Pro au niveau du design. Alors les gars, qu'est-ce que vous pensez justement du confort, que ce soit de l'AX Pro ou de l'X-Tatic? Vous trouvez qu'ils sont confortables, que vous pouvez jouer facilement plusieurs heures avec les casques, ou justement au contraire, ils ont tendance à être assez lourds, ou ils ont tendance un peu à vous gêner? Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Pour ce qui est du confort du Sharkoon, au niveau des oreilles, vraiment, ce n'est pas adapté à toutes les oreilles. Je m'explique, au bout de 1h30, 2h de jeu, vous commencez à avoir les oreilles vraiment douloureuses et vous êtes pratiquement obligé d'enlever votre casque, tellement ça vous fait mal.
Par contre, pour ce qui est au niveau du crâne, ils ont rajouté une sorte de petite mousse au-dessus qui maintient bien le casque sur votre tête sans vous faire mal. Donc vraiment, au niveau du crâne, c'est rien à dire. Par contre, au niveau des écouteurs, ils auraient pu mieux faire car vraiment, ça serre les oreilles dans l'écouteur et ça fait vraiment très mal. Donc maintenant, on va parler un petit peu du confort du casque de jeu. Il faut savoir que le Triton est livré avec deux kits pour le confort. Donc il y a le premier kit qui est celui-ci. Donc si je dirais, c'est les mousses qui sont un petit peu absorbantes, qui sont pas mal. Et il y a aussi un kit qui est comme celui-ci, qui se compose de ces housses-là. Protection d'oreille et le... on va appeler ça le serre-tête, en cuir. Donc moi, j'ai pas encore utilisé ces accessoires. Je me dis qu'en fait, quand on transpire un peu, le cuir va un petit peu glisser sur nos oreilles. Ouais, Chewbacca, là. Et du coup, c'est un petit peu moins confortable. En revanche, on peut passer des heures à jouer avec ce casque de jeu sans avoir mal aux oreilles, sans rencontrer de gêne. Il est vraiment, vraiment très agréable. J'ai eu l'occasion d'essayer le Sharkoon, qui lui est quand même un petit peu moins confortable, je l'avoue. Et lequel j'avais essayé un Sony aussi. Et c'est vrai que niveau confort, celui-ci, il est quand même vraiment bien placé. C'est un petit peu le top quand même. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Titou. Toi, tu avances l'argument que justement l'X-Tatic, il a tendance à faire super mal aux oreilles. Alors, pour avoir testé l'X-Tatic pendant plusieurs semaines, je peux vous garantir une chose, les amis. Si vous avez, je trouve pas que j'ai spécialement des grandes oreilles, hein, vous voyez, j'ai pas des oreilles de Dumbo. Hein. Voilà, ils sont pas super grandes. Si vous avez des oreilles qui sont pas profilé, c'est-à-dire le long de votre visage, limite qui fait partie de la continuité de votre visage, vous êtes dans la merde. Je vous le dis comme ça. J'en ai parlé avec plusieurs autres personnes qui ont justement l'X-Tatic et qui n'ont pas forcément les oreilles, comme je vous explique, toutes profilées. Je peux vous garantir que c'est un enfer, ce casque. Oui, c'est peut-être très dur à dire. Ingénieur de chez Sharkoon, honnêtement, vous avez totalement merdé. Ce casque, il fait extrêmement mal aux oreilles. Alors, la dernière fois, j'avais invité justement Clems, donc Clems Browning, à venir jouer justement à Call of, et je lui avais fait tester justement l'X-Tatic. Il l'a essayé, et au bout d'un moment, il commençait déjà à se plaindre du fait qu'il avait commencé à avoir mal aux oreilles. Moi, je ne peux pas jouer plus de 2 heures. Non, plus de même une heure, je raconte des conneries, plus de 2 heures, plus d'une heure. Au bout d'un moment, vous me voyez, je suis comme ça pendant la partie, je tords mes oreilles dans tous les sens pour leur faire du bien, limite je leur fais des massages d'oreilles. Non, non, franchement, l'X-Tatic au niveau confort, vous ne jouerez jamais plus de 2 heures sans vous faire mal aux oreilles, sans franchement avoir de grosses, grosses douleurs. Donc, très gros point négatif pour l'X-Tatic, sachant que la plupart d'entre nous, nous sommes plus ou moins des no-life. On a tendance à jouer. Moi, je connais personne hein, qui dit chérie, je vais jouer à la console, je fais 30 minutes. C'est pas vrai, on a tendance à jouer au moins une heure, voire plus. Donc, c'est vrai que c'est même pas la peine. Donc, l'X-Tatic, au niveau confort, on oublie. Il y a d'autres avantages, mais au niveau confort, ça va. Au niveau confort, c'est pas ça, à moins d'avoir des oreilles toutes petites comme ça, ou des mini-oreilles, ou pas d'oreilles du tout. Pas d'oreilles du tout. Bon, c'est ridicule, mais bon. Et pour ce que tu as dit, Clems, je suis entièrement d'accord avec toi, une nouvelle fois. Le Triton AX Pro, lorsque vous le mettez sur les oreilles, je peux vous garantir que vous l'oubliez totalement. Il m'est arrivé plusieurs fois, et ça, c'est limite un point négatif, de l'oublier, et comme justement on est relié par un fil, par exemple j'ai envie d'aller aux toilettes, je fais attendez les gars je vais aux toilettes, parce qu'avant j'avais un casque sans fil moi, attendez les gars je vais aux toilettes, et puis en fait je m'en allais, et j'embarquais tout avec moi, et donc ça c'est, à force de l'oublier comme ça, j'ai tendance à pas mal abîmer je pense la télécommande, donc il faut vraiment que je fasse gaffe, on l'oublie réellement ce casque là, et en plus il vous isole, des bruits extérieurs, c'est vraiment incroyable. Votre oreille, elle est calfeutrée à l'intérieur de l'écouteur. Je ne sais pas si on va bien voir là. Donc voilà, vous voyez l'écouteur, elle est bien calfeutrée dedans. Il n'y a aucun danger que vous fassiez mal parce que justement, il y a une sacrée épaisseur au niveau de l'écouteur. Donc vraiment très très bon confort justement de la X-Pro. Donc comme Clem, vous a fait voir, il est fourni avec la X-Pro des coussins supplémentaires pour les écouteurs.
Lui aussi n'a pas choisi de mettre justement ses écouteurs en cuir, tout simplement parce que je pense que avec un minimum de chaleur, on a tendance à avoir les écouteurs en cuir qui ont tendance à coller, ça doit être désagréable. Donc je pense que je les installerai vraiment au dernier moment, ces écouteurs-là en cuir, parce que je suis pas sûr que ça me plaise réellement. Donc maintenant, je vais vous parler du confort du Turtle Beach. Donc sachant que je suis le seul à l'avoir, j'ai cherché des youtubeurs qui possédaient justement le Turtle Beach, personne ne le possède, donc je vais faire le test tout seul. Alors, le Turtle Beach, il est exactement comme comme l'AX Pro, c'est-à-dire que lorsque vous le mettez sur les oreilles, je peux vous garantir qu'il est hyper confortable, et j'ai envie de dire qu'il calfeutre encore plus les oreilles, c'est-à-dire que comme les écouteurs sont tout petits, mais bien profond, c'est-à-dire quand vous mettez votre oreille dedans, bah vraiment ça, comment dire, ça intègre parfaitement l'oreille et vous avez un confort inégalé. Donc si en plus on rajoute au confort le fait que, et ça j'en parlerai un peu plus tard, que ce casque est sans fil, c'est clair que l'avantage est total. Donc vous êtes comme ça, limite, vous calculez même pas le fait que le casque est là, vous jouez, tac, ah je vais aller chercher à manger, vous y allez avec le casque. Et bon, il y a aussi quelque chose qui est pas trop mal aussi, et ça j'en parlerai un peu plus tard quand je parlerai de la qualité micro, c'est le fait que le micro pivote vers le haut ou vers le bas. Et en fait, quand vous le pivotez vers le haut, il se désactive. Quand vous le baissez, il se réactive. Donc ça, c'est un petit détail qui est pas trop mal. Ça rappelle un peu les casques pilotes d'avion. Je sais pas si vous avez remarqué, en fait, ils peuvent relever le micro comme ça. Donc ouais, le design, comme je vous l'avais dit, était pas mal du tout. Et le confort l'est tout autant. Donc vraiment, point positif aussi pour le Turtle Beach. Donc voilà, en ce qui concerne alors le confort, alors j'aurais envie de dire que le Turtle Beach, si vous avez des oreilles assez grandes, vous risquez d'être un peu en galère parce que c'est vrai que quand on regarde de plus près, les écouteurs sont vraiment tout petits. Donc oui, il y a dans notre monde des gens avec des grandes oreilles. Donc si vous avez des grandes oreilles, les gens, honnêtement, le Turtle Beach risque d'un peu vous gêner, contrairement justement à l'AX Pro qui lui possède vraiment des écouteurs très très grands, et donc vous ne serez jamais gêné par les écouteurs justement de l'AX Pro. Donc au niveau confort, je vous conseille vivement l'AX Pro qui vraiment vous permet d'avoir un confort inégalé, en tout cas parmi les casques que j'ai testés. J'essaierai de tester d'autres casques lorsque justement j'aurai des finances pour en acheter d'autres. J'essaierai d'acheter d'autres casques pour vous faire d'autres essais. Mais en tout cas, parmi ces trois casques-là, celui qui est le plus confortable, je pense que c'est l'AX Pro. Donc, nouveau match gagné par l'AX Pro qui est pour moi plus polyvalent. Maintenant, nous allons parler de la qualité audio de nos casques. Donc c'est vrai que lorsque vous achetez un casque, la priorité c'est que ce dernier délivre un son le plus pur possible. Donc est-ce que c'est le cas avec ces trois casques-là, donc le Sharkoon, l'AX Pro et le PX5? Donc on va commencer par le Sharkoon. Titou, qu'est-ce que tu penses justement de la qualité audio du Sharkoon? On t'écoute. Ce qui est de la qualité du son au niveau du Sharkoon, il n'y a vraiment aucun souci à avoir. Quand vous avez le micro sur les oreilles, il n'y a vraiment aucun parasite. Le son est très clair. Il n'y a pas de bruit de fond ou autre soufflement. Le son est vraiment comme il faut. De plus, vous pouvez régler très facilement les haut-parleurs car chaque écouteur dispose de 4 haut-parleurs que vous pouvez régler grâce à cette manette qui est directement reliée au casque en fait par le fil. Donc par exemple, si vous voulez que le haut-parleur du centre soit plus fort dans votre oreille, suffit de cliquer sur Center et de monter avec ce bouton le son, et vous voyez les couleurs changent. C'est pour chaque niveau de son,
Il y a 5 couleurs, donc le vert, le bleu foncé, le bleu clair, un bleu un peu moins clair que clair, et le rouge. Et pour ça, c'est vraiment, le son est vraiment nickel. C'est quand vous jouez, c'est vraiment pratique, car si vous préférez entendre le son des pas que le son des armes, vous pouvez grâce à ça. Pour ce qui est du son des voix, ça se règle avec cette petite molette là. Il suffit de la monter ou de la descendre selon vos envies. Vous pouvez carrément ne pas entendre les voix. Donc c'est vraiment, le son est vraiment nickel. Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Je le conseille vraiment pour écouter la musique, des vidéos ou pour jouer. Donc car oui, comme je peux vous le dire tout à l'heure, pour entendre les bruits des pas et autres, c'est vraiment très pratique. Donc niveau du son, parfait. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Entièrement d'accord avec toi, Titou. C'est clair que le Sharkoon a une qualité audio vraiment très très bon. Je l'ai testé aussi bien dans le jeu qu'avec un Blu-ray. Et c'est clair que le X-Tactic, au niveau du 5.1, c'est vraiment quelque chose de parfait. On entend énormément les bruits. On peut vraiment détecter le moindre bruit qui pourrait y avoir dans nos alentours, disons dans les alentours quand on est en train de jouer. Très très bon son l'X-Tactic. En fin de compte, le 5.1 l'X-Tactic, vous allez voir un peu plus tard qu'il peut concurrencer le 5.1 du Triton. Donc là, Clems va justement nous donner son avis sur la qualité du son du Triton. Clems, on t'écoute. Alors maintenant, on va parler un petit peu du thème qui est l'un des plus importants quand même sur ce comparatif, c'est le son, la qualité du son dans le jeu. Alors la première fois que j'ai reçu ce casque-là, en fait, je me suis mis un petit DVD, je me suis mis Terminator, histoire de voir un petit peu ce que ça allait donner. Et là, j'ai été surpris, je me suis dit putain, mais c'est carrément un cinéma que j'ai dans les oreilles. J'étais vraiment, vraiment agréablement surpris de la qualité du son quand ça explose, c'est vraiment formidable. Et un petit peu pour parler sur Call of Duty, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui vont dire ouais, est-ce qu'on entend quand il y a quelqu'un qui marche derrière nous ou quoi que ce soit. Le mec, je dirais qui recharge à l'autre côté de la map, vous allez l'entendre. C'est clair. C'est sûr que si vous jouez avec Ninja Pro, avec ce casque de jeu, et que le mec en face est avec Marathon et fait pas forcément attention, avec quelques petits réglages, parce que les réglages sont quand même assez simples, il faut le dire, sur le Triton, il n'y a pas besoin de faire des réglages exceptionnels pour bien entendre. Moi, par exemple, j'ai les réglages de base, plus quelques petites améliorations, mais bon, c'est secret défense, hein, les gars. Mais franchement, la qualité du son par rapport à un Sharkoon, non, c'est pas le Sharkoon, c'est le Turtle que j'avais essayé. Je trouvais que les explosions sur le Triton étaient formidables. C'était vraiment super bien fait par rapport à d'autres casques. Et c'est vraiment, moi, le coup de cœur que j'ai eu quand j'ai essayé ce casque-là. Je me suis dit, la qualité du son est vraiment exceptionnelle pour un 5.1. C'est vraiment très, très bien. Moi, je regrette pas, encore une fois. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Clems. Il est clair que le Triton délivre un très, très bon son. C'est clair et net que moi, j'ai pu observer justement que le Triton et le X-Tactic, donc que j'ai tous les deux essayé, délivrent sensiblement le même son. Je dirais un tout petit peu plus, un tout petit peu, disons le son serait un tout petit peu meilleur pour la X Pro, mais c'est vraiment très semblable. D'ailleurs, vous allez observer quelque chose, et je vais vous donner une petite info, vous êtes nombreux à m'avoir demandé, c'est-à-dire mes réglages au niveau de la télécommande de la X Pro. Alors, regardez. Vous allez rigoler, enfin rigoler, je ne sais pas si vous allez réellement rigoler, mais regardez, télécommande de la X Pro, télécommande du Sharkoon. Vous voyez, il n'y a rien qui vous semble bizarre. En fin de compte, j'ai bien l'impression que Triton et Sharkoon doivent appartenir à la même filiale, ou je ne sais pas, en tout cas c'est clair et net qu'il y a des similitudes plus qu'évidentes au niveau de la fabrication. Je pense vraiment, je ne sais pas si c'est Triton qui est une filiale de Sharkoon ou Sharkoon qui est une filiale de Triton, ou Triton et disons, Triton et Sharkoon sont tous deux une filiale d'une plus grosse boîte, mais en tout cas, les produits au niveau finition, au niveau fabrication sont vraiment considérablement identiques. Donc là, vous pouvez voir que la télécommande est la même. Il y a aussi le boîtier. Ce boîtier-là, tout à l'heure, Clems vous l'a fait voir. Ce boîtier-là. Donc, il vous a fait voir le boîtier du Triton, le boîtier du Sharkoon est vraiment presque identique, c'est même pas presque identique, est identique justement au Triton. Donc, c'est aussi ça qui fait que le Triton et le X-Tactic ont un son identique, tout simplement parce que les produits sont semblables.
Donc ça, c'est un petit bémol que je peux exprimer lorsque j'ai choisi justement l'X-Tatic en comparaison, pour faire mon comparatif. Je ne savais pas du tout qu'ils avaient exactement le même, je sais pas moi, le même brevet. En tout cas, ils ont été fabriqués de la même manière, je ne savais pas du tout. Donc c'est vrai que je ne vous propose pas deux casques qui sont réellement différents au niveau de la fabrication, mais par contre, vous allez voir qu'au niveau de la qualité, en fin de compte, il y a une grosse différence. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une différence de prix, ça on verra un peu plus tard. Donc le Sharkoon est un peu moins cher, disons, est beaucoup moins cher que le Triton, c'est qu'il y a bien une raison. Donc on va en parler un peu plus tard. Donc pour ce qui est, vous êtes nombreux à m'avoir demandé, ceux qui possèdent déjà l'AX Pro, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment régler justement votre télécommande, comment régler l'audio au niveau de votre casque, excusez-moi. Alors, moi, les réglages que j'ai, je mets sub, donc tout en bas, je le mets en vert. Donc, pour ceux qui connaissent, je sais que les autres, ça ne va pas vous parler, mais en tout cas, ceux qui possèdent justement un Triton vont tout de suite comprendre, ou un Sharkoon. Moi, je le mets en vert, en sub. Center, je le mets aussi en vert, parce qu'en fait, c'est le son que moi, je fais. C'est le son que vous entendez, vous, par rapport à ce que vous produisez comme bruit. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'entendre votre bruit, sachant que le vert, c'est le bruit minimum, et le rouge, le bruit maximum. Ensuite, en rire. Donc rire, c'est le bruit que vous entendez derrière vous. Donc en rire, je le mets en turquoise. Le dernier cran turquoise. Donc turquoise, dans l'avant-dernier cran turquoise. Donc pour avoir énormément de bruit qui vient de l'arrière. Et front, donc ça c'est devant, je le mets en bleu foncé. Donc bleu turquoise en bas, bleu foncé. Donc c'est un peu la puissance est un peu plus faible que justement le turquoise. Donc c'est pour plus entendre les bruits venant de derrière que les bruits venant de devant. Parce qu'en général, les bruits venant de devant, on peut les gérer facilement puisqu'on est face à l'adversaire. Après, c'est au niveau des réflexes. Mais en gros, il est plus important d'entendre les bruits qui viennent de derrière que les bruits qui viennent de devant. Donc voilà, au niveau des réglages de cette petite télécommande, pour ceux qui étaient intéressés. Donc maintenant, on a eu Titou qui nous a parlé de l'audio, disons, de la qualité audio du Sharkoon. On a Clems qui nous a parlé de la qualité audio du Triton. Donc moi maintenant, je vais vous parler de la qualité audio de l'X-Tatic. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'X-Tatic, c'est que c'est un 7.1. Voilà, un 7.1, donc ça c'est très important. Donc, il est censé être de meilleure qualité. Le problème, c'est que nous, nos jeux, ils ne vont pas au-delà du 5.1. Donc, où est l'intérêt d'avoir justement un 7.1 quand le jeu délivre pas plus qu'un 5.1? Eh bien, enfin, en fin de compte, aucun. Je pense que les jeux de prochaine génération nous permettra, excusez-moi, nous permettront justement d'avoir du 7.1. Mais en attendant, en tout cas pour ce qui est de Black Ops, Modern Warfare 2, tout ça, tous les jeux qu'on a en ce moment à disposition, ils ne sont disponibles qu'en 5.1. Donc le 7.1 du Turtle Beach n'est pas forcément intéressant. Ensuite, pour ce qui est de régler justement l'audio au niveau du Turtle Beach, ce sont des réglages présélectionnés. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur ce bouton-là, sur le côté, vous cliquez une fois, vous avez un pré-réglage, une deuxième fois, un autre pré-réglage, ainsi de suite, vous avez 7 pré-réglages. Donc, ce n'est pas forcément des choses que vous réglez vous-même. Donc, ce n'est pas forcément les réglages que vous auriez aimé avoir. Par contre, il y a un logiciel qui est téléchargeable sur le site turtlebeach.com. Et là, vous avez un logiciel qui vous permet, en USB, de vraiment paramétrer, comme vous le souhaitez, justement, le Turtle Beach. Sachant que le petit point négatif, c'est que quand vous paramétrez, justement, le Turtle Beach sur le logiciel, vous n'êtes pas en même temps en train de jouer. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous rendre compte si le réglage est bon ou pas. Et donc, ça, c'est quand même un point négatif. Le fait de ne pas pouvoir avoir des réglages qui nous sont propres, comme justement avec le Triton ou le Sharkoon. Donc, mais par contre, honnêtement, pour l'avoir essayé, j'ai essayé les différents réglages présélectionnés. Honnêtement, il est de très très bonne qualité. Mais moi, c'est vrai que je préfère quelque chose que je peux régler selon ma façon de jouer, selon
mes propres goûts et pas les goûts de certains ingénieurs qui ont rentré leurs propres réglages. Donc voilà. Alors, pour ce qui est du match sur la qualité audio, c'est sans hésiter que je choisis justement l'AX Pro, qui est légèrement, je vous dis très légèrement, il est vraiment légèrement supérieur justement à l'X-Static, mais vraiment de très très peu. Ils sont très semblables au niveau de la qualité audio, c'est vraiment, ça se joue à très très peu de choses. D'ailleurs, j'en avais parlé justement avec Benoît, parce qu'il a du coup il a les deux. Avant, il avait l'X-Static, il a beaucoup joué avec l'X-Static, et depuis, il a acheté le Triton AX Pro. Et pour en avoir parlé un petit peu avec lui, lui aussi pense que le Triton a un léger plus au niveau de la qualité audio. Donc, pour ce qui est du match sur la qualité audio, le Triton remporte une nouvelle fois le match. Voilà. Alors, je vais commencer par la qualité du micro du Turtle Beach. Alors, le Turtle Beach, sa qualité du micro est vraiment très très bonne. J'étais très surpris justement de sa qualité. Je ne m'attendais pas à un micro aussi bon. En plus, ils ont rajouté une petite mousse. Je ne sais pas si on la voit. Oui, on la voit. Une petite mousse qui permet vraiment d'éviter tous les P qu'on peut entendre, ça y est, j'en vois déjà qui vont se foutre de ma gueule, mais en fait, tous les petits P, les petits T, quand on a tendance à être trop près du micro, ça a tendance un peu à péter. Donc ça, justement, la petite mousse là, c'est pour éviter tous ces désagréments. Vraiment, le micro du Turtle Beach est vraiment d'excellente qualité. J'ai vraiment été très surpris. Puis le fait qu'il puisse, justement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, se remonter pour se mettre sur pause et le redescendre justement pour reprendre la conversation, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Il me fait rappeler un peu le Turtle Beach au niveau de la flexibilité justement du micro. On peut vraiment le placer comme on le souhaite. Et ça, c'est vrai que le Turtle Beach est vraiment très bien pour ça. Vous allez voir que le Sharkoon est un peu dans le même esprit que ça. Donc, je vous ai parlé de la qualité du micro, sachant qu'en plus, contrairement, vous allez voir un peu plus tard, mais contrairement au Sharkoon, le micro du Turtle Beach est vraiment solide. Il faut vraiment y aller pour pouvoir l'abîmer. Il est vraiment très solide. En plus, au niveau de la flexibilité du micro, c'est vraiment, c'est pas, comment dire, c'est pas en plastique, c'est vraiment en fer, disons, en métal très très dur. Donc il est très flexible, mais il reste quand même très très solide. Donc maintenant, vous allez écouter l'avis de Titou par rapport justement au Sharkoon. Alors Titou, dis-nous ce que t'en penses toi du micro du Sharkoon. Bonne qualité ou bof? Pour ce qui est de la qualité du micro du Sharkoon, je peux pas dire qu'elle soit exceptionnelle. C'est vrai que quand on parle sur Skype ou sur Xbox Live ou PSN, la qualité du micro est vraiment très claire. On entend notre voix clairement et les autres nous comprennent très bien. Mais quand on enregistre notre voix sur un logiciel, on peut entendre un bruit de fond, une sorte de soufflement qui reste en permanence et qui est vraiment pas très bon pour les oreilles, qu'on peut régler bien sûr, mais on peut que le diminuer, on peut pas l'enlever complètement. De plus, souvent on entend des interférences comme des grésillements dus à je ne sais quoi, qui n'est vraiment pas très bon pour les oreilles. Donc le micro n'est pas non plus un micro de qualité exceptionnelle. On va dire qu'il suffit pour commenter, parler comme ça, mais si vous voulez un truc plus professionnel, je ne conseille pas ce micro. De plus, le micro est extrêmement fragile, il suffit de le faire tomber comme vous pouvez le voir là. Il suffit juste que je le bouge avec deux doigts pour le tordre, il est extrêmement fragile. Si vous le faites tomber, il se casse et vous êtes bon pour en racheter un. Donc je peux dire que la voix du micro pour parler et dialoguer et autres est un bon micro, mais pour faire des choses professionnelles,
Ce n'est pas un micro à conseiller. Alors, Titou, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour la simple et bonne raison que j'ai encore le Turtle Beach autour du cou. Alors, le Sharkoon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a, donc comme vous l'a dit aussi Titou, il a un micro flexible. Donc, c'est vraiment une très très bonne chose. Mais par contre, il est extrêmement fragile. Sachant que ma fille m'en a déjà cassé un. Donc, j'ai dû en racheter un deuxième. Ma fille s'est amusée simplement, vous voyez la petite boule qui est là, simplement à faire tourner la petite boule entre ses doigts. Donc vous imaginez, ma fille elle a 8 mois, elle a fait tourner la petite boule autour de ses doigts, puis elle l'a retirée. Normal. Voilà, 20 euros. Merci ma chérie. Donc honnêtement, le micro du Sharkoon, c'est pas ça du tout. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Titou. Ça, c'est pas solide. D'ailleurs, je suis persuadé que ce micro-là est tout neuf. D'ailleurs, on va faire le test tout de suite. Ce micro-là est tout neuf, donc vous voyez bien. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de le faire. Regardez. Vous avez vu qu'il... Regardez avec quelle facilité on arrive à le faire tourner. C'est pas normal. Je suis persuadé que si je le fais tourner deux fois, il reste dans mes mains. Donc non, vraiment, au niveau du micro, le Turtle Beach... non, excusez-moi, le Sharkoon, il est vraiment pas bon. D'ailleurs, on est vraiment d'accord, Titou, par rapport à ça. C'est vrai que le micro du Sharkoon, c'est pas ça du tout. Et en plus, je te rejoins aussi au niveau des interférences. J'ai eu beaucoup d'interférences avec le Sharkoon. Dès que je faisais un commentary, à chaque fois, j'avais des sortes d'interférences qui étaient complètement gênantes. J'arrivais même pas à les supprimer. Toi, tu dis que tu arrives à les atténuer. Moi, personnellement, j'arrivais pas à les atténuer. C'est ce qui a aussi motivé, mon achat d'un micro plus performant. D'un casque plus performant, je raconte de la merde là. Clems, tu nous parles un peu du micro du Triton, toi? Donc là, on a vu le micro du Sharkoon, le micro du Turtle Beach. Parle-nous du micro de la X-Pro. Donc maintenant, on va aborder le sujet qualité du micro. Donc on va commencer tout de suite par la PlayStation. Alors pour jouer sur PlayStation, c'est très très simple. Une fois que votre casque est branché ici et tout est raccordé, il suffit de prendre cette manette dans la main. Vous voyez ici, il y a un bouton on-off, où je mets mon doigt là. Donc vous le mettez sur on. Ici, c'est la molette de réglage du son, plus ou moins fort. Et c'est vraiment extrêmement simple d'utilisation, il n'y a vraiment pas de problème. Donc le micro sur le casque, il est ici. Vous voyez, tout à l'heure, je ne l'avais pas mis, là je l'ai mis. Donc il est très simple à enlever. Regardez, on tourne vers l'extérieur. On tire, c'est d'une simplicité remarquable, vraiment pratique. Pour Xbox, c'est un petit peu plus compliqué, donc il me faut le câble qui est dans le coin. Voilà, il est là. Donc il faut ce câble-ci. Donc pour ce câble-là, en fait, il faut le raccorder à la télécommande. Regardez, hop, ici, tac. Et ici, on le branche à la Xbox, à la manette de la Xbox. Et je dirais qu'après, c'est un petit peu comme la PlayStation, c'est assez simple d'utilisation, vraiment pratique. Un petit peu plus contraignant parce qu'il faut ce câble-là sur l'Xbox, mais sinon c'est vraiment très simple d'utilisation, la qualité est correcte. Nous, pour des raisons aussi pratiques, on préfère utiliser Skype, mais honnêtement, le micro est encore d'une bonne qualité. Et pour en revenir au design, sur ce petit micro, vous voyez, on le verra pas, mais il y a encore un petit rappel de la marque Triton, juste ici, qui est assez sympathique, il est noir mat et noir brillant, c'est assez sympa. Alors, Clems, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que le micro de la X-Pro est de très très bonne qualité. D'ailleurs, c'est avec celui-ci que je fais la plupart de mes commentaires. Donc, si on devait conclure pour donner une idée justement aux différentes personnes qui sont intéressées par l'achat de l'un de ces trois casques, au niveau de la qualité micro, la X-Pro et le Turtle Beach, excusez-moi, se valent. Ils sont vraiment de très très bonne qualité tous les deux. J'ai essayé le Turtle Beach PX5 aussi bien en faisant un commentaire que justement sur le réseau en communiquant avec des personnes. Le micro est de très très bonne qualité, on entend distinctement la voix, il n'y a aucune interférence, il est vraiment très très bon. Pourtant c'est un sans fil. Oui, le sans fil a son importance parce que parfois avec les micros sans fil, vu que ça fonctionne par Wi-Fi ou Bluetooth, des fois il y a quand même des petites interférences et là pas du tout. Il est vraiment de très très bonne qualité pour un sans fil et la X-Pro est vraiment aussi de très bonne qualité. Donc match nul entre AX-Pro et Turtle Beach. Pour ce qui est de l'X-Static, au niveau du micro, comme j'ai pu vous l'expliquer et comme Titou, excusez-moi, a pu vous l'expliquer,
il faut l'oublier d'un point de vue qualité micro. Il est vraiment pas bon du tout. Donc maintenant, on va passer à l'aspect connexion de ces différents casques. Alors, quand je veux parler de connexion, je veux tout simplement parler de débranchements qui sont à effectuer lorsque vous voulez faire fonctionner vos casques, mais aussi toutes les possibilités de connexion qu'offrent les casques aux différentes consoles et PC que l'on peut utiliser. Donc, les trois casques, aussi bien le PX5 que la X-Pro et le X-Static sont tous les trois des casques qui peuvent aussi bien se connecter sur PS3, sur Xbox et sur PC. Sachant que pour celui-ci, il y a quand même quelque chose de très important et de très agréable, c'est que il y a une base qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. D'ailleurs, on peut fixer le caméscope, n'importe quoi. Je regarde un caméscope, donc je dis le caméscope. On peut fixer le casque comme ceci. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, en fin de compte, cette base-là réduit considérablement le nombre de fils qui sont indispensables. Tout simplement parce que cette base-là communique avec le casque. Et du coup, c'est ce qui vous permet d'avoir un casque sans fil. En gros, cette base-là envoie les informations au casque. Je crois que c'est par Bluetooth, si je me souviens bien. Oui, c'est par Bluetooth. Donc, et du coup, ça vous permet de ne pas avoir tous les fils que l'on a justement avec les autres casques. Vous allez voir, déjà mes collègues vont en parler. Je vais vous faire voir le nombre de fils qu'il faut connecter lorsqu'on veut faire fonctionner la X-Pro ou l'X-Static. Donc avec, moi je suis là pour vous parler justement du PX5. Donc avec le PX5, vous avez simplement à brancher donc le secteur ici, vous branchez votre câble optique ici à la PlayStation ou à la Xbox, et du coup vous êtes tranquille. Après, vous n'avez plus qu'à gérer en façade les différents volumes, tout ça, et puis ça c'est les différents formats de son que vous pouvez avoir, donc le Dolby Digital et tous les autres. Donc ça, c'est vraiment le très très gros avantage du Turtle Beach. Maintenant, si je dois donner un inconvénient justement à ce casque-là, c'est tout simplement qu'il ne permet pas de jouer sur PS3 ou Xbox et en même temps d'être sur Skype. Sachant que pour moi, il est très important de pouvoir aussi bien être sur Skype que en même temps jouer justement sur console pour différentes raisons. Donc par exemple, lorsqu'on fait un zombie avec mes partenaires, donc on est en train de communiquer sur Skype, donc pour enregistrer la communication, c'est beaucoup plus facile. Et puis, le fait de ne pas pouvoir connecter le casque directement sur l'ordi, c'est vrai que dès que l'on veut faire un commentaire ou avec Audacity ou un autre logiciel permettant d'enregistrer la voix, on va dire que c'est plutôt moyen. Donc, très très gros plus au sans fil, donc moins de fil, beaucoup moins de fil, mais point négatif, on ne peut pas connecter le casque à Skype en même temps que l'on est en train de jouer. Donc si vous êtes une personne qui n'a pas forcément l'intérêt à communiquer sur Skype, vous avez juste besoin d'être sur le chat Xbox ou sur le chat PS3, c'est un très bon casque, ce casque vous conviendra totalement. Par contre, si vous êtes quel du genre à discuter sur Skype en même temps que vous jouez, ça va pas être intéressant, à moins d'acheter un adaptateur qui n'est pas fourni au prix de 30€. Donc moi, je trouve que déjà un casque, vous verrez un peu plus tard, le prix est quand même assez cher. En plus, racheter un adaptateur optique, en fait l'adaptateur se branche en optique d'un côté et se branche ensuite en USB sur votre PC, donc je trouve ça un peu excessif. Donc ça, si je devais parler justement au niveau connexion du PX5, c'est un très bon produit, il est vraiment très intéressant au niveau des connexions, vous n'allez pas vous prendre la tête pour le brancher. Donc très très gros point positif. Ensuite,
Je vais donner justement maintenant la parole à Titou. Donc Titou, parle-nous un peu des connexions, disons, de l'avantage et des inconvénients des connexions du Sharkoon. Et ensuite, on écoutera Clem qui nous parlera des connexions avec l'AX Pro. Alors, pour ce qui est des connexions au niveau du Sharkoon, deux choix s'offrent à nous. On a le choix de brancher notre PS3 ou PC en fil USB, donc un fil USB tout simple. Et sinon, le deuxième choix est de brancher notre PS3 ou Xbox 360 par fil optique. Donc, qu'est-ce qu'un fil optique? Ceci est un fil optique. Comme vous pouvez voir, il y a une sorte de capuchon au bout. Sur Xbox 360, c'est cela qui bloque l'entrée du fil dans le trou, donc je vous conseille tout simplement de retirer ce petit capuchon en plastique et de laisser tout simplement le fil. Ensuite, votre Sharkoon rentrera tout bien dans le trou et il n'y aura pas de souci. De plus, vous pouvez brancher votre PS3 ou Xbox 360 en même temps que votre PC au Sharkoon. Pour cela, branchez tout simplement votre PC en USB et votre PS3 ou Xbox en fil optique. Par contre, il faut vraiment que votre PC et votre console soient tout proches, car les fils ne sont vraiment pas très grands, donc les fils USB doivent faire cette taille-là, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, ça fait juste cette taille-là. Donc vraiment, il faut qu'ils soient très proches de votre, faut que votre PC et votre console soient vraiment très proches. Sinon, niveau des branchements, tout est simple, il suffit de brancher en USB et de brancher à une prise et ça marche. Si vous n'y arrivez pas, suivez un tuto, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Niveau des connexions, tout est simple, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors ensuite, on va parler un petit peu de la connexion et là, ça va se compliquer un petit peu. Donc en fait, tout part de ce boîtier. Voilà, donc c'est le boîtier Triton. Alors à partir d'ici, on va brancher le premier câble. Donc celui-ci, si je prends l'extrémité ici, donc c'est avec la petite télécommande, on va le brancher au deuxième câble du casque. Donc déjà, ça fait un premier câble à brancher, on est bien d'accord. Ensuite, pour que ce boîtier fonctionne, il lui faut une alimentation électrique, bien sûr. Donc il va y avoir un câble d'alimentation électrique qui va venir se brancher là-haut. Voilà, pas de souci. Ensuite, il va y avoir un port USB ici pour le. Enfin, un port USB. Ici, de ce côté-là, c'est pour le micro, c'est pas un port USB. Mais de l'autre côté, on va brancher ça sur la PS3, sur Xbox, en port USB. Et il y a encore une sortie qui est juste derrière, là, ce côté-là. C'est la sortie optique. Alors honnêtement, pour ceux qui possèdent la PlayStation, la Xbox, l'HDPVR, comme moi c'est mon cas par exemple, avec tous les câbles et tout ça, c'est vrai que ça fait énormément de câbles. Bon, c'est vrai que c'est simple d'utilisation, c'est pas compliqué à brancher, mais ça fait quand même beaucoup de câbles, c'est vrai. Alors, merci les mecs de votre témoignage. Donc moi, je voulais justement revenir sur une chose par rapport à ce que vous avez pu dire. Donc, je vais vous faire voir le nombre de câbles qu'il est nécessaire de connecter lorsque l'on a soit le Sharkoon ou l'AX Pro. Donc, il y a premièrement le câble de la télécommande. Donc, regardez le nombre de câbles que ça fait. Donc, il est très long en plus. Vous avez vu? Voilà. Regardez. Ça, c'est simplement le câble permettant de connecter la télécommande au boîtier qui se trouve ici. Et donc du coup de l'autre côté à l'X statique. Donc vous voyez. Alors, ça c'est un premier câble. Ensuite, on a le câble d'alimentation. Où il se trouve ce câble de merde? Attendez, je vais le chercher. Il est derrière. Donc ensuite, on a le câble d'alimentation, donc que l'on voit là. Regardez encore la masse de fil que ça représente. Donc voilà. Ensuite, on a tout logiquement donc le câble USB que l'on doit brancher soit sur la PS3 ou sur le PC si on veut discuter sur Skype. Et on a le câble optique qui est. Bon, il doit être dans les alentours. Et le câble optique. Donc ça fait un nombre incalculable de le un câble un... Ça fait un nombre incalculable de câbles à brancher. Donc c'est un point négatif pour moi. Moi j'aime bien en plus que les choses soient super bien rangées, super bien en place. Donc gros point négatif, beaucoup trop de câbles, beaucoup de fils qui traînent un peu partout. Donc ça c'est un point négatif. Alors, on va conclure
d'un point de vue connexion. Donc, il est clair et net que d'un point de vue connexion, mon coup de cœur reste le Turtle Beach. Donc, le PX5, mon coup de cœur, c'est celui-ci. Vraiment, très peu de fils. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que deux câbles à brancher. Et encore, ils ne sont même pas visibles si vous les mettez derrière une console. Donc, de ce côté-là, le PX5, justement, avec la possibilité de l'avoir en sans fil, est un très très gros avantage. Cependant, je mets un petit bémol, il ne faut pas vouloir discuter sur Skype en même temps que vous jouez. Donc ça, c'est selon les préférences de chacun. Donc voilà, le meilleur sur ce segment-là, sur le segment des connexions, c'est justement le PX5. Ah, petite chose, j'ai oublié de vous dire, aussi un avantage qu'offre le PX5, et là vous avez complètement halluciné, le PX5 peut en même temps se connecter à votre iPhone pendant que vous jouez. C'est-à-dire que vous recevez un coup de téléphone sur votre iPhone, le son, la sonnerie se fait entendre dans le PX5. Ça veut dire que vous êtes en train de jouer, donc je sais pas, tac, vous jouez, ouais machin, tac, et là d'un coup votre téléphone sonne, vous avez juste à appuyer sur un bouton qui se situe juste en dessous de l'écouteur, ça décroche votre téléphone et vous pouvez, tout en jouant, tranquillement répondre à votre interlocuteur. Donc ça, c'est quand même un autre très gros avantage. J'avais oublié de le mentionner tout à l'heure. Donc vraiment, le PX5 du côté des connexions est vraiment un très très bon produit. Alors, autre sujet qui est intéressant à étudier, c'est la fiabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il est très important, lorsque l'on paye un casque aussi cher que ça, d'avoir justement un produit avec un minimum de qualité. Donc, Titou, qu'est-ce que tu penses du Sharkoon X-Static? Selon toi, est-ce qu'il est super fiable? Est-ce qu'il te garantit une bonne qualité sur la durée, ou est-ce qu'il a tendance à avoir des petits ratés qui sont vraiment très désagréables? Et ensuite on écoutera Clem's Browning qui nous parlera justement lui de la X-Pro et de son expérience justement avec la X-Pro. Vous allez voir qu'il a eu quelques problèmes, il trouve le produit assez fragile à certains endroits, il va vous en parler tout de suite. Et nous on se retrouve un peu plus tard pour parler du PX5 et de sa fiabilité. A tout de suite. Pour ce qui est de la fiabilité au niveau du Sharkoon, niveau PC, il n'y a vraiment aucun souci. Ça branche, le périphérique est reconnu sur ordinateur et ça marche directement. Vous pourrez utiliser votre casque et votre micro. Sur PS3, idem, suffit de brancher, ça marche. Par contre, sur Xbox 360, il faut faire plus attention, car si vous disposez de la Xbox 360 Arcade, c'est-à-dire la première, la blanche, il n'y a pas d'entrée optique dedans. Et donc vous devez vous munir d'un câble en plus, donc d'un câble YUV, c'est-à-dire avec toutes les couleurs, pour directement avoir une entrée optique dessus et donc faire marcher votre Sharkoon. Si vous avez la Xbox 360 Slim, il y a directement une entrée optique, donc pas besoin d'avoir de câble en plus, il suffit de brancher et souvent ça marche, mais attention, il y a quelques problèmes au niveau des entrées optiques, souvent le câble ne se clippe pas bien dedans, donc le micro ne marche pas, ni le son ne sort pas dans votre casque. Donc niveau fiabilité sur 360, c'est pas trop à conseiller, mais sur PC et PS3, il n'y a vraiment aucun souci. Il faut faire attention aussi à une chose, c'est que le micro est extrêmement fragile. Si vous le faites tomber ou quoi que ce soit, vous êtes bon pour en racheter un, donc ça se rachète. Mais vraiment, il est extrêmement fragile, le casque et le micro, donc faut vraiment faire attention à ça. Donc pour la fiabilité, une fois de plus, je conseillerais vraiment ce casque. Pour commenter vos vidéos ou juste écouter de la musique ou autre, il est vraiment bon. Mais pour 360, il est vraiment, c'est pas très fiable. Donc parlons un petit peu maintenant de la fiabilité du casque de jeu. Donc moi je vais vous montrer quelques soucis avec ce casque. Voilà, tout simplement, il a fait une chute de pas très haut. Et je dirais il est sur ma table 25 cm au sol. Et en fait, bah, ça m'a cassé une petite partie du casque. Du coup, voilà, je suis obligé de mettre un petit bout de scotch sur le côté. Et je sais pas si on va voir à la caméra. Si je fais comme ça, peut-être, je vais faire ça. En fait, vous voyez, c'est ici, là où il y a mon doigt. Cette partie-là grise est très très fragile sur le Triton X-Pro. C'est vrai que pour un casque à ce prix-là, je dirais que c'est un petit défaut quand même que je lui reproche.
Il est très très bien, la fiabilité est bonne. Au point de vue fabrication, je dirais, qualité de matériaux, la qualité des matériaux de la fabrication est elle un petit peu moins bonne. Une petite chute, c'est vrai qu'on ne joue pas au foot avec son casque, je suis d'accord. Mais par contre, une petite chute de 20 cm d'une table basse, une table de salon, hein, et moi mon casque s'est cassé, donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Alors, merci, merci les amis. Donc, merci pour votre témoignage. Alors, moi, je vais vous parler maintenant du PX5. Donc, le PX5, depuis que je l'ai, c'est-à-dire un peu plus de 4 mois, je peux vous dire qu'il est tombé de nombreuses fois et il n'a jamais eu le moindre bobo. Il est toujours en très bon état de marche. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que je trouve justement ce produit très robuste. Très robuste, excusez-moi. Il est vraiment... pourtant, je l'ai fait tomber vraiment. Bah, je fais pratiquement 1m80, donc imaginez. Je le mettais comme ça. Et exactement, je vais vous expliquer exactement comment il est tombé. Je l'ai mis comme ça. Et en fin de compte, il est carrément parti de l'autre côté. Et il est tombé quand même assez violemment. Et rien du tout. Tout était en bon état de marche. Il n'y a vraiment eu aucun problème. Donc, je ne sais pas, Clem Browning vient de nous parler justement de l'AX Pro qui, lui, avec une hauteur de à peine 50 cm, s'est cassé. Donc, je dois vous avouer que c'est vrai que lorsque l'on tient l'AX Pro dans les mains, et comme il l'a mentionné à cet endroit-là, c'est vrai que on sent que ça peut facilement casser si on a tendance un peu à... Ah bah regardez, je ne l'avais même pas remarqué. Mais vous voyez qu'il y a une petite usure à cet endroit-là. Vous avez vu que j'ai dû à un moment donné vouloir écarter un peu trop le casque. Et justement, ça a un peu craqué. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je viens de le remarquer dès maintenant, en fin de compte. Donc ouais, l'AX Pro, il est quand même assez fragile. Et d'après les témoignages que j'ai pu recueillir un peu sur Internet, le micro aussi de l'AX Pro peut avoir pas mal de ratés. Donc sa fiabilité parfois est à remettre aussi en question. Bon, moi pour l'instant j'ai jamais eu de soucis avec, et pourtant celui-ci je le possède depuis bien plus longtemps que les deux autres produits, c'est-à-dire le PX5 et le X-Tatic. Donc moi au niveau fiabilité, et après pour parler rapidement de l'X-Tatic, au niveau fiabilité, bah, comme tout à l'heure je vous ai parlé du micro, bon on va pas vraiment dire que c'est un problème de fiabilité. Parce que là c'est carrément une détérioration volontaire ou involontaire de ma fille, mais c'est vrai que je pense que s'il était tombé, comme l'a dit Titou, il n'aurait pas forcément survécu à une telle chute. Donc, mais par contre c'est vrai que regardez, au niveau de l'écartement de la tête, il a quand même l'air beaucoup plus fiable. Bon là je le pète en direct, je serais dégoûté, mais regardez, vous avez vu qu'on peut pas mal l'écarter. Très honnêtement, je ne ferai pas la même gymnastique justement avec l'AX Pro. Hein. Je suis persuadé de le casser direct si je le faisais. Donc je pense que au niveau Charcoon, au niveau de, je parle de l'écartement, je pense qu'il est quand même plus flexible et donc plus fiable que justement l'AX Pro. J'ai dit l'X-Tatic, excusez-moi. L'X-Tatic est plus fiable au niveau écartement que l'AX Pro. En gros, faut pas avoir une très grosse tête. Parfois, j'ai tendance à vouloir justement l'écarter un peu trop gros. Faut pas avoir une grosse tête, hein. Sinon, bon bah, si votre tête est suffisamment bien proportionnée, vous avez aucun souci à vous faire. Donc, sur le segment de la fiabilité, je dirais que les trois casques se valent. Il n'y a pas un casque qui est beaucoup plus fiable que les autres. C'est vrai que le Turtle Beach, j'ai vraiment eu aucun souci avec. Mais bon, j'ai pas suffisamment de recul pour parler justement de ce casque-là. J'utilise beaucoup plus l'AX Pro. Et donc, c'est clair que lorsqu'on utilise une chose beaucoup plus souvent qu'une autre, c'est clair que si on a des problèmes, ça paraît plus probable d'avoir des soucis avec quelque chose qu'on utilise régulièrement que justement... que très rarement, parce qu'en fin de compte celui-ci je l'ai acheté simplement pour le tester, c'était pour ce comparatif pour vous. En fin de compte, une fois que j'aurai fini le comparatif, je vais le vendre, donc je le garderai pas. Merde, j'ai peut-être donné une indication par rapport à ma préférence. Donc je pense que pour
Pour le match de la fiabilité, je pense que chacun des casques se valent. Il n'y a pas vraiment un casque qui sorte du lot. Je pense que chacun peut avoir ses petits soucis. Donc ça, c'est vraiment dû à la mauvaise chance que l'on peut avoir chacun. Donc voilà. Maintenant, nous allons parler du dernier thème. Le thème, c'est le prix. Et c'est vrai que le prix, ça peut être un élément très important. Certains d'entre vous sont plus ou moins jeunes. Et donc, je peux comprendre, sachant que vous ne travaillez pas, que ça peut être assez compliqué de demander justement à vos parents une centaine d'euros, voire plus, pour acheter un casque de jeu. Donc, nous allons nous intéresser au rapport qualité-prix de chacun des casques. Alors pour le prix, comptez entre 100 et 130 euros selon le site où vous allez l'acheter. Attention cependant, il y a des versions à 70 euros, mais ces versions ne disposent pas du boîtier qui permet de brancher votre Xbox 360 ou PS3 au Sharkoon. Donc ce sont des versions qui permettent exclusivement d'aller sur le PC. Sinon, comptez entre 100 et 130 euros pour la version complète. Tout dépend le site où vous allez le trouver. Si jamais vous cassez votre micro, vous pourrez en racheter au prix de 20 euros. Donc c'est pas très cher pour un micro. Cependant, c'est un très bon rapport qualité-prix car le casque est vraiment un casque professionnel. Seul petit bémol, le micro de temps en temps qui est défaillant, qui fait des bruits bizarres ou autres interférences. Sinon, vraiment le casque en vaut le prix. Donc je répète, entre 100 et 130 euros. Tout dépend où vous allez le chercher. Donc voilà. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi, Titou. Je trouve pas que le Leak Static ait un bon rapport qualité-prix. Donc, tu nous annonces un prix entre 100 et 130 euros. Moi, personnellement, je l'ai acheté 119 ou 120 euros. Donc, honnêtement, je trouve pas que ce soit excessivement cher. À la rigueur, je préfère dans ces cas-là acheter plutôt l'AX Pro qui est à 180 ou 190 euros. En tout cas, moi je l'ai acheté ce prix-là. C'est vrai on peut le trouver un peu moins cher ou un peu plus cher, mais je trouve pas que c'est. Petit coup de téléphone. Ah! Justement, c'est Théo. Ouais, Théo? Ouais, V12, tu te foutrais pas un peu notre gueule là? Non, mais t'es sérieux avec tes casques à 200 euros? Putain, mais tu prends des écouteurs iPod, ça te coûte 20 euros ou ça vient avec l'iPod et ça fait amplement l'affaire. Mais non, mais sérieux, tu te fous de notre gueule là? Tu te fous de la gueule du peuple! Pff, non, mais quel bouffon celui-là. Ok, bon, Théo n'est pas forcément d'accord avec nous, n'est pas forcément d'accord avec le fait d'acheter justement un casque aussi cher, mais moi je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Honnêtement, on va écouter maintenant, on va écouter Clem, ce qui va nous parler justement de l'AX Pro et de son prix, et si lui il trouve que le rapport qualité-prix de l'AX Pro est bon. Donc maintenant, on va parler un petit peu de choses qui fâchent. Ouais, on va parler un petit peu du prix donc du Triton X Pro. Alors, il faut savoir que sur le site Triton, ce casque de jeu est affiché à la somme de 230 euros. Voilà. Donc c'est quand même une somme assez conséquente. Mais on peut le trouver, donc je ne vais pas faire de publicité pour des sites, mais on peut le trouver. Moi, je l'ai payé 150 euros avec les frais de port. Donc c'est un petit peu plus raisonnable. On ne peut pas parler d'investissement parce que bon, c'est un loisir, c'est un casque de jeu, c'est pas évident. Mais honnêtement, je pense que le jeu en vaut la chandelle, le casque est vraiment bien, vraiment agréable. Moi, je regrette vraiment pas d'avoir investi cette somme-là dans ce casque-là. Franchement, je vous le conseille. Entièrement d'accord avec toi, Clem. C'est vrai que l'AX Pro, au prix où on l'achète, il remplit vraiment tout ce qu'on lui demande. Au niveau rapport qualité-prix, l'AX Pro est vraiment très très bon. Donc maintenant, moi, je vais vous parler pour terminer du PX5. Alors, le PX5, on le trouve au prix de 225 euros, donc sur les sites exclusivement sur Internet. Donc 225 euros, vous rajoutez les frais de port, donc c'est quand même assez conséquent pour un casque de jeu. Je le trouve un peu cher. C'est vrai qu'il offre la possibilité d'avoir le 7.1, le sans fil, mais c'est vrai que pour l'utilisation que nous on a d'un casque de jeu, on ne fait pas de la compétition, on n'est pas des.
des joueurs professionnels qui vont justement gagner de l'argent. Et donc je pense pas que ce soit forcément nécessaire d'avoir un casque de jeu aussi cher pour justement notre loisir. Donc en plus, je pense que les professionnels préféreront plus un casque, excusez-moi, comme l'Astro A40. Donc je vous en parlerai peut-être prochainement de ce casque. Il est annoncé comme la Rolls-Royce des casques de jeu. Donc je vais tenter de vous faire un test uniquement sur ce casque-là. Par contre, lui, il coûte extrêmement cher. Il est à 279 euros. Donc une fois que j'aurai vendu ce casque-là et celui-ci, parce que je vais garder la X-Pro, une fois que j'aurai les finances pour acheter justement l'Astro, je m'achèterai l'Astro et je vous ferai un test dessus. Donc, pour conclure, au niveau du rapport qualité-prix, je pense que le meilleur reste le Triton. Donc là-dessus, je vais être d'accord avec Clem Browning. Je pense que le Triton AX Pro, au niveau rapport qualité-prix, est vraiment au-dessus des deux concurrents que je vous ai présentés, c'est-à-dire l'X-Tatic et le PX5. Alors, je vais conclure une bonne fois pour toutes sur ce comparatif des trois casques que je vous ai proposés. Donc, l'X-Tatic, l'AX Pro et le Turtle Beach. Voilà, là je suis équipé, là je vais tout entendre. Alors, j'ai pas l'air d'un guignol comme ça. Alors, si je devais vraiment élire le meilleur casque de jeu parmi ceux que je vous ai présentés, je choisirais sans hésiter l'AX Pro. Vraiment, si je dois vous conseiller un casque, je sais que vous êtes nombreux à attendre ce comparatif justement pour acheter votre casque de jeu. Les gars, vous pouvez être sûr que l'AX Pro répondra à vos attentes. C'est vrai qu'il est quand même assez cher. Mais je peux vous garantir que si vous en prenez soin, c'est un produit qui va quand même vous durer un long moment et en plus, vous allez vraiment en être particulièrement content. De toute façon, je sais que déjà un grand nombre d'entre vous ont choisi justement la X Pro parce que vous m'avez envoyé différents messages en me disant, bon, bah, ton comparatif était un peu trop long à arriver. J'ai acheté quand même l'AX Pro, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Vous ne vous êtes pas trompé, ceux qui ont acheté un AX Pro, il est vraiment très très bon, c'est un très bon produit. Mais cependant, je mets un petit bémol, ne l'achetez pas tout de suite. Triton vont sortir très prochainement un Triton de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il aura le 7.1 et il sera dans la même gamme de prix que l'AX Pro, c'est-à-dire à peu près 180 euros. Et du coup, l'AX Pro, lui, redescendra, je crois, à 140 euros ou 130 euros. Donc, patientez un petit peu et justement, quitte à acheter justement un casque, prenez justement le dernier Triton, je ne sais pas comment il s'appellera, mais en tout cas, ça sera un 7.1. Honnêtement, patientez un petit peu, ça vaut le coup. En plus, c'est au même prix. Donc voilà, j'espère vraiment que ce comparatif vous aura éclairé sur quel casque de jeu est selon vous, disons, est selon nous, c'est-à-dire Titou, Clem's Browning et moi, le plus intéressant, sachant que Titou s'est acheté récemment justement l'AX Pro, donc même lui s'est rendu compte de l'intérêt de l'AX Pro. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. Maintenant, je voulais juste faire un petit bonus pour les moins fortunés d'entre nous. J'ai mandaté, si on peut dire ça comme ça, LGS de nous parler de l'AX 180. Tout le monde ne peut pas s'acheter un casque. Comme l'a dit très justement Théo d'une manière assez agressive et énervée, tout le monde ne peut pas s'acheter des casques qui valent plus de 100 euros. Et donc j'ai justement demandé à LGS de nous parler du Triton AX 180, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un casque qui est à 80 euros, excusez-moi, 80 euros, ça reste encore excessivement cher pour un casque. Mais bon, si on veut avoir un produit de bonne qualité, il faut mettre un minimum le prix. Donc LGS va nous parler justement de ce casque de jeu et ça sera dans les bonus.
Maintenant, oui, Jean-Pierre. Alors, selon moi, Jean-Pierre, le casque, la bonne réponse est l'AX Pro. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Vous perdez 1500 euros si votre réponse n'est pas la bonne. Oui, vous avez tout à fait raison. Félicitations. Ouais, j'ai gagné! Bon, allez, je vous laisse avec LGS et justement son opinion par rapport à l'AX 180. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Et j'espère vraiment que cette vidéo, qui est un peu longue, j'en suis désolé, vous aura vraiment fait plaisir. Salut à tous! Salut tout le monde, c'est LGS et puis aujourd'hui on se retrouve pour le comparatif casque de gamer de Karim. Alors je commence tout de suite, on commence par le design du Triton AX 180. Alors comme vous pouvez voir, le design il est plutôt pas mal. Le noir et le orange là sur le côté, moi je trouve ça sympa. Après bah voilà, on va parler du confort aussi. Alors je sais pas si vous voyez bien, hop, il y a des coussinets autour là, vous voyez peut-être. Ça enveloppe les oreilles. Du coup, quand on joue, bah, on n'est pas dérangé par les bruits extérieurs au jeu. Du coup, bah, ça nous permet d'être concentré à fond dans le jeu. Et puis, bah, c'est pas désagréable. On a pas mal au bout de 10 minutes de jeu. Faut vraiment rester un certain temps pour avoir mal. Après, au niveau de la qualité du son, c'est pas du 7, du 7 point, du 5 point, pardon. C'est du stéréo. Alors c'est pas la qualité d'un AX Pro, c'est en dessous. C'est comment dire, on sait pas où se situe l'ennemi forcément, mais on peut essayer de deviner et ça aide franchement beaucoup. Après la qualité du microphone, personnellement quand je regarde les vidéos, moi je trouve que la qualité est pas trop mal. Parce que par contre je m'entends pas parler forcément, alors je peux pas trop comparer à ce que je dis sur le coup et tout. Et après, il est, comme vous pouvez voir, amovible. Il est, enfin, on peut le bouger, vous pouvez l'éloigner, le rapprocher plus ou moins de votre bouche. C'est vous qui décidez. Après, il y a la connectique. Alors, je vais tirer un peu les câbles. Vous voyez peut-être ces câbles. C'est des câbles RCA, si je me souviens bien. Ça, c'est le prise jack, pardon. Mais à brancher derrière la console, c'est câble UV. Et après, il y a le port USB qu'on branche à l'ordinateur pour le micro. Alors la fiabilité autrement du casque, si vous le faites tomber, il sera pas pété. De toute façon, vous êtes garanti un an si vous l'achetez en magasin. Alors personnellement, moi, il est tombé plusieurs fois avec tous les petits défis qu'on a pu faire avec l'équipe quand par exemple on buvait du Tabasco et qu'on était vite fait pressé d'aller aux toilettes pour boire un coup ou descendre en bas chercher une bouteille d'eau. On le lâchait un peu brusquement, il tombait par terre, mais il tient le choc, franchement il tient le choc. Et il est garanti un an, du coup, alors s'il est pété au bout de 9 mois, vous le faites changer, et puis voilà quoi. Après, il y a le prix. Alors le prix, moi personnellement, je le trouve plutôt abordable. Il est à 80 €. 80 € pour ça, les gars. Bon, c'est assez cher, c'est sûr. Faut avoir les moyens, mais c'est pas comme le X Pro qui coûte, si je me souviens bien, 160 € dans ces prix-là. On peut le trouver à moins cher sur les sites, mais avec le frais de port, je pense que ça reviendra à peu près à 80 €. Et puis, en ce qui concerne le produit, je vous le conseille si vous êtes plus restreint sur votre budget, on va dire, comme moi. Je vous le conseille fortement. Allez, ciao tout le monde.